Eh bien bonjour à tous, c'est Darklinic. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle aventure sur Tiny Toon. Alors nous sommes à l'université Acme. Buster Bunny et tous ses amis nettoient une des pièces de l'entrepôt. Un morceau de papier se dépose à leurs pieds. Sur ce papier est dessiné une sorte de vieille carte. Je ne sais pas ce que c'est au juste. Donne-moi ça, Buster Bunny. Je vais te le dire. Tu ne vois pas ce que c'est la carte au trésor. Rends-la-moi, Montanamax. Non, pas question, jamais. Tu es une tête d'ail, Montanamax. Montanamax se fait aider du docteur Genis Splitterson. Il dit il est vil. Oh, il a kidnappé tous ses amis. Ah mon dieu, il a kidnappé tous ses amis, il a fait un lavage de cerveau. Ah, désolé, j'ai pas eu le temps de dire. Buster Bunny reste en dehors de ma route. Tu es un sale rat, Montanamax. Buster Bunny doit secourir Bugs Bunny et ses amis. Il part donc chercher le trésor et tenter de sauver ses amis. Ah, je sais plus, j'ai pas eu le temps de lire, désolé. Bon. Voilà, j'ai pu me procurer le jeu entièrement en français, parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'était marqué en anglais. Un peu comme la plupart des jeux qui étaient sortis sur Mega Drive, parce que oui, celui-là, là, je suis en train d'enregistrer sur l'émulateur, mais ce jeu est sorti sur Mega Drive. Et ils ont également sorti le même titre, mais par contre, l'aventure et les niveaux sont pas du tout les mêmes. Donc allez, sans plus attendre, on va commencer cette aventure. Alors, tapis sur start, très bien. Voilà, j'ai tapis sur start. Maintenant, là, vous voyez qu'on peut lancer le jeu. Là, on a un système de password parce qu'il faut savoir que le jeu est assez long. Vous verrez, je vais vous expliquer. Là, les options, on va jeter un petit coup d'œil vite fait. Donc, voilà, c'est juste pour les contrôles et on peut écouter les musiques aussi. Voilà. Ça c'est sympa, dès le début c'est dispo, c'est sympa. Allez, sans plus attendre, on commence l'aventure. Et donc voilà, là nous nous retrouvons sur une sorte de map world. Voilà, ça fait un petit peu penser d'ailleurs à Super Mario World. Et vous allez voir que ce jeu il fait penser un peu une sorte de mix entre Sonic et Super Mario World. Allez. On va pas regarder en haut, regarder en bas. Voilà, ici t'as les oreilles, on peut pousser les gros cailloux. Ah oui, que les décors sont assez jolis, le background, très joli. Voilà, les ennemis, on les a mis en leur sautant dessus. Voilà, là ça fait... Aïe aïe aïe, aïe aïe, je suis allé trop vite. Ah voilà ce qui se passe quand on va trop vite. Oh là là, zone défendue au lapin. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Vous avez vu l'animation quand il court? Ah d'ailleurs ça aussi. Voilà, les ressorts, exactement les mêmes ressorts que Sonic, enfin, ça fait énormément penser à Sonic Vulture. Voilà, et puis les carottes, ben, c'est assez classique en fait, il faut récupérer 100 carottes pour avoir une vie supplémentaire. Vous voyez que là, vous voyez comment il saute? Voilà, j'appuie très doucement sur le bouton, il saute quasiment pas. Alors que j'appuie longtemps, je reste appuyé longtemps, il fait un grand saut. Suivant comment j'appuie en fait, voilà. Attends, les plateformes, ça fait vraiment penser à Mario, là, par contre. C'est exactement les mêmes cubes, on dirait. Enfin, les mêmes briques. Il y a eu de l'inspiration, un peu du repompage, mais bon. C'est un jeu que j'ai connu à l'époque, et franchement, c'est un très bon jeu. Voilà, j'ai connu que la version Mega Drive, sachant que... Enfin, j'ai connu la Super NES, mais un peu plus tard. Ah, j'ai l'invincibilité. Ah, j'aimerais bien occuper le cœur quand même. Donc, vous voyez qu'on a 3 cœurs. Quand on s'est touché, voilà, on perd un cœur. Il n'y a pas de demi-cœur perdu ni rien, c'est un cœur entier et c'est tout. Je crois qu'on a 3 vies, 3 continues aussi. Donc voilà, comme je l'ai dit, la version Super NES est très différente de celui-ci. Puis je ne l'ai pas connue, la version Super NES. Et pourtant, c'est le même titre. Vous l'aurez compris. Ah, j'ai une vie supplémentaire. Cool. Vous l'aurez compris, nous partons à la recherche d'un trésor.
D'ailleurs, ça fait un peu penser au jeu Donald. Enfin, je sais plus le titre exact, mais un jeu Donald, pareil. Où Donald part à la recherche d'un trésor. Et ce jeu-là fait penser à Indiana Jones. Et le jeu Donald, j'ai connu également quand j'étais gamin. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu, il y a Hooper qui récemment a fait un live, donc vous pourrez voir la rediff sur YouTube. Et voilà, je termine le niveau. Voilà, quand on arrive à l'espèce de cricket, c'est l'annonce du fin de niveau. Donc comme je disais, le jeu Donald sur Mega Drive, je l'ai connu également. Mais je l'ai jamais fini parce que trop compliqué, incompréhensible, tout était en anglais. Et... enfin voilà. Donc voilà, quand on termine un niveau, là, il y a un chemin qui se dévoile petit à petit. Là, ça fait vraiment penser à Super Mario World. Là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas de secret. Donc, on n'est pas dans Donkey Kong, hein. Enfin, surtout les Tropical Freeze et Returns. Donc là, je sais pas trop si c'est le vide ou quoi, mais faut faire gaffe. Oh là là! Ah ouais. Ah, c'est assez sensible, hein, c'est assez sensible. Alors, par contre, la tête de vautour x0, je sais pas, je saurais pas vous dire ce que c'est. Désolé. Là, je me suis pas du tout entraîné, je redécouvre le jeu après des années et des années. Allez, on va essayer de passer par le haut. Je pense qu'il y a plusieurs chemins aussi. Allez, on va essayer de... oh! J'ai dit, on va essayer de pas tomber, j'ai même pas terminé la phrase que c'est le cas. Ah bah, je peux remonter. Par contre, on n'a pas le temps limité, on peut prendre tout son temps, apprécier un peu. Sympa. Ah, c'est pas facile. Ah bah, il y a les carottes, là. Les carottes sont cuites. Ah, ça fait plaisir de rejouer un peu à ce jeu. Ça fait plaisir. Alors, on va essayer de bien... il n'y a pas une vie supplémentaire? Je crois que j'avais jamais réussi à aller jusqu'au bout, là, comme ça. Ah non, c'est juste pour un petit cœur. Ah, il y a encore des plateformes, là. Oh là là, désolé. Oh là là! Oh, ce ramage! Oh mon dieu, là, qu'est-ce qu'il m'a fait, là? C'était magnifique, cet effet, là, c'était magnifique. Bon, ceux-là, ils bougent pas trop. Tant mieux. Wow! Ah oui, par contre, quand on court, il... on a pris tellement d'élan qu'il saute loin. Ah, attendez. Voilà. Voilà, je me concentre. J'ai de ramasser un maximum de carottes. Comme ça, moi, plus j'ai de carottes, plus j'ai de vie. Oh là là! Si ça rame comme ça. Bon, la plateforme a disparu. Laisse tomber. Allez, on va continuer. Putain. Ah ouais, ça a du mal parce que j'ai un vieux PC. Il a déjà 10 ans, mon PC. Aïe, aïe, aïe. Il est temps que j'achète un nouveau PC parce que là... toujours sur le Windows 7, donc ah mince, je pensais que c'était la fin, mais non, c'était juste là la fin. Oh là là. Ok. Ok. Allez, troisième niveau. Ah, le coucher de soleil. Avec un nouveau thème. Et les thèmes de ce jeu sont pas mal du tout. Ils sont bien rythmés et tout. Ah, attendez. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ok, je pensais que ça allait me pousser pour courir, mais... apparemment, ça marche pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah voilà! Bah alors! Pourquoi ça marchait pas?
Aïe 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 aïe. Ah ouais, on est vraiment dans du Sonic. Sonic Mario là. Waouh. Ah, c'est Sonic qui lui a appris à courir, c'est ça, hein. Ah, il est bleu comme Sonic et tout, ouais. Et ça colle bien. Mais comment ça marche ça? Attendez. Je lâche le bouton. Ou alors j'essaie d'aller vers la droite, mais. Ah, faut le pousser à fond. Ah, d'accord, fallait pousser à fond. Oh là là. Merde! La vie! Ah non, c'est le vautour. Attends, je vois à quoi ça sert le vautour. Parce que là, par contre. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être pour un stage bonus ou alors un continu, je sais pas. Ouais, d'accord, mais comment veux-tu éviter ça? Oh. Oh. Ah, c'est la fin. Bon, j'aurais pu fouiller un peu en bas, peut-être qu'il y avait une vie cachée. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc cette vidéo, oui, c'est pas un défi, c'est vraiment une redécouverte comme ça. J'avais envie de faire une vidéo sur ce jeu. Alors là, c'est rouge, ça veut dire, je crois que c'est pas une sortie secrète comme dans Super Mario World, mais je crois que c'est le boss. Il y a trois niveaux et le boss. Ah, voilà le boss. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas le Dizzy Devil que je connais. Il est sous mon contrôle. Mince! Oh le méchant! Il va falloir lui sauter sur la tête. Voilà. Ah, il est énervé. Ah! Ah, il est malin. Arrête que le premier boss, hein, il se laisse pas faire. Ouais. On se mettre en hauteur. Voilà. J'ai sauté trois fois. Ah bah trois fois ça suffit pas. Quatre fois. Non. Oh là là, mais faut le sauter cinq fois. Ah mince, j'ai pas réussi à atteindre notre branche. Ah, tu croyais m'avoir, hein. Tu voulais me niquer. Et voilà, il est pas content. Et donc là, j'ai détruit le casque qui faisait un lavage de cerveau à Dizzy. Lobotimisé par le savant fou Dizzy et OK. Dizzy, merci Booster Bunny. OK. Ça me réjouit Dizzy, pourvu que le savant fou n'en ait pas eu d'autre. Ah bah malheureusement. Oh, pour l'instant, je m'en sors bien. Allez, niveau suivant. Alors là, c'est on se rapproche un peu plus des genre promenade dans les bois. Voilà, avec les loups. Les loups qui se baladent dans la forêt. Ainsi que les gros ours. Pas très amicaux. Ah mais c'est un ours, c'est pas un loup. Ah ouais, dès qu'il me voit, il me fonce dessus. Hein, il m'aime bien. Ah, ça va, il s'accroche tout seul. Allez. Comme ça. Mais j'ai appuyé sur le bouton pour sauter. Possible ça. Aïe aïe aïe. Bon, tant pis. Oula, faire gaffe là par contre. Alors les pics, je sais pas si ça nous one shot ou si ça nous blesse directement, mais j'ai pas envie de tester. Pour vous montrer. De souvenir, il me semble que ça me one shot. Bon, pour l'instant, ça va. La maîtrise est là. Les thèmes sympas, encore une fois. Variés, sympas. On me demande d'ailleurs pourquoi j'ai pas fait une vidéo de ce jeu avant. Ah oui, parce que je pensais que tous les jeux sur Mega Drive, en fait, ça ramait quand je capture avec Camtasia. Que j'avais testé, j'avais voulu faire une vidéo déjà sur Sonic Vegeon, le premier sur Mega Drive. Et ça a ramé, mais un truc de malade. Donc, depuis ce moment-là, j'ai cru. Ah, vie cachée.
Et puis à ce moment-là, j'ai cru que je pouvais capturer que sur Super Nintendo, vu que ça avait l'air de paramer sur Super Nintendo, mais non. C'est pas tous les jeux Mega Drive qui rament. Celui-là, il marche très bien. Et tant mieux. Bon, ça a ramé un petit peu au début, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Bon, là, on va pas s'embêter à ramasser toutes les carottes, là. On avance, hein. Parce que j'ai envie de vous montrer un maximum du jeu. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà fini une fois le jeu. C'est d'ailleurs un ami qui me l'avait prêté. C'est pas moi qui l'avais acheté, mais c'est un ami qui me l'avait prêté. Et j'ai eu le temps de le finir. Voilà. Oh là là. Oh, les pics. J'ai pas envie de... Ah, ah bah voilà, ça me one-shot. Je vais pas... Oh putain, il recommence tout, il n'y a pas de checkpoint. Il n'y a pas de checkpoint. Je sais pas s'il y en a mais qui sont invisibles, mais bon. Apparemment, il n'y a pas de checkpoint. C'est triste. Non, j'ai pas envie de passer par là-bas. Ah bah, j'ai pas le choix. Et que là, ça se corse, hein. Aïe 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 aïe. Là par contre quand on descend on peut pas re-sauter, hein. On est obligé d'atterrir au sol pour re-sauter après. Oui là, faire gaffe de ne pas tomber. Oh là là. Oh. Ah, raté. Ah, je crois que la vie ne revient pas en fait. Ah si, c'était là. Et elle revient la vie. C'est cool ça. Bon, on va essayer de pas crever, hein, s'il vous plaît. J'espère que la fin c'est bientôt parce que... Hein. Par contre, c'est le lapin, c'est le seul personnage qu'on peut prendre. Hein. Il n'y a pas d'autres personnages jouables, heureusement. On peut pas jouer sa copine ni d'autres personnages. Ah tiens, mais j'en rends compte que c'est un autre personnage qui à côté de, enfin en dessous de la carotte où il est marqué x2. C'est un autre personnage qu'ils ont mis. Ah, j'ai jamais compris ce que ça signifiait tout ça. Peut-être que vous l'aurez compris, je sais pas, mais là, genre d'aujourd'hui, je comprends toujours pas. Peut-être c'est suivant les niveaux auxquels je suis. Peut-être dans le prochain monde, en fait, il y aura encore un autre personnage. Le premier monde, on avait l'espèce de vautour, là, on est le... Bip bip, bip bip et coyote. Ah ouais, là, on s'est enfoncé un peu plus dans la forêt. Alors attention, le garou. Le gros ours. Je sais pas trop ce que c'est. Alors là, cette espèce de fantôme qui balance des tomates. Voilà. Très original. C'est très joli, hein, le background. Hein, très joli. Vous vous rendez pas compte à l'époque, mais vraiment. Bon, je pense que les fans de Sonic et de Mario, et le jeu de ce style-là, un peu aventure en plateforme, aimeront beaucoup ce jeu. C'était très peu connu à l'époque. Là, il fait partie des bons jeux comme Mickey Castle of Illusion, des trucs comme ça. Ah, c'est un très bon jeu. Aïe, saloperie. Tain, il m'a eu ce hibou là, cette espèce de chouette ou je sais pas quoi là. Aïe aïe aïe. C'est pas chouette tout ça. Ah bah, ils sont sympas quand même avec les vies, c'est cool. Franchement. Allez. Ah, oulala, oulala. Je
attention, parce que c'est sensible hein, quand on avance et tout. Ah, là, j'ai un peu hésité. Ah ouais, mais il va jusqu'au bout, lui. Oh là là, le déplacement qu'il nous fait, là. Merde. Bon, là, au moins, il y a pas mal de vie. Ça, c'est cool. Voilà. Là-bas, il n'y a rien. On sait jamais s'il y a un petit truc, là. C'est sympa. Non. Il n'y a rien du tout. Oh, allez, on fait le saut de l'ange. Ah! Oh mon dieu! Ah oui, là, j'ai le souvenir que... La boule, on peut monter dessus. D'ailleurs, on n'a pas trop le choix. Hein. Oh là là! Ah ouais, ça craint, là. Ah! C'est bon. Il fait de plus en plus sombre. Ah ouais, là, le râteau. Faire gaffe de pas se prendre le râteau. Je sais pas si ça fait juste une animation ou si on perd un cœur. Pas un truc caché dans l'arbre. Non. Ah bon. Qu'est-ce que c'est, ce truc en bas, là? Ah, bah, c'est les carottes. Les bouts de carottes. Regardez-moi ça. Ah, c'est le même design de Peach que Sonic. Ah oui, là, pour le coup, c'est vraiment Sonic. Mon dieu. On y va les repompages quand même. Hein. Je comprends pourquoi j'ai apprécié ce jeu. Tout s'explique. C'est quoi qui m'a touché? Ah, c'est les boules. C'est espèce d'oursin là. Si là-bas c'est la mort. Ou c'est un bonus. C'est la mort. On va sauter là. Ah, un passage. Une vie. Ah, je connaissais pas du tout. Quoi, la curiosité paye. Ah ouais. D'accord, c'était ça qui m'avait... Aïe, aïe, aïe. Attention, là. Ah oui, ça aussi, c'est exactement le même style de plateforme que dans Sonic. K.O. Ben, voyons voir. Je vais vous montrer l'animation quand on se prend le râteau. Ouais, ça nous fait pas perdre de cœur. Voilà, c'est plus un petit truc rigolo comme ça qu'ils ont mis. Sympa. Là, y'a rien. Bah, c'est comme pour le coup de la canette. D'ailleurs, je peux y retourner là dans ce. Ah, on peut faire les. Ah oui, on peut faire le one jump. Voilà. Moitié Sonic, moitié Mario. Voilà. C'est bien ce que je pensais. On sait plus que ça nous one shot, je pense. Donc, on va faire très très attention. Oui, là faut pas aller trop vite. Hein. Allez, on va aller rechercher la vie. Putain. Voilà. Sans si c'est trop long, je ferai des coupures, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Là, faut faire gaffe, hein, ne pas se faire toucher par le lanceur de tomates. Hein. Spectre lanceur de tomates. Ah, qui nous attend à la sortie. Hein. Tiens. Voilà. Ah, pas un petit cœur, s'il vous plaît. Non. Oulala, là là, il pique. On va faire gaffe, là. Alors, en même temps, je me concentre. Waouh. Ah! Ouh! Oh mon dieu! Ah bah il s'est entraîné à course à pied lui! Ah il est sportif! Il est sportif le gros ours! Ah! Mince! Attends, mince! Ah! Heureusement que c'est pas le vide! Ah! C'est la fin!
Attendez, je veux juste voir en haut. Je veux pas... Un petit bonus. Non, mais... Vas-y, laisse tomber. Oh. Oh là là, plus qu'un cœur. Ah, c'est pas encore le boss, hein. C'est pas forcément 3 niveaux plus un boss. Ah oui, ce niveau, je m'en souviens, ouais, c'est un peu... C'est un peu genre les bois perdus, quoi, c'est labyrinthique. J'aime pas trop ça, mais bon. Ah ouais, mais là, c'est carrément Sonic, attendez. Je m'en rendais pas compte à quel point c'était Sonic, en fait, ce truc. Ouais. C'est carrément labyrinthique aussi. Ça, par contre, j'aime pas trop ce genre de niveau labyrinthique, mais bon. Va falloir faire avec. Sont les cheat codes, enfin les, pas le cheat code mais les codes prévus par le jeu. Hein. Si je perds game over, si jamais, je regarderai sur internet. Parce que j'ai bien envie de continuer et quitte à continuer, autant enregistrer comme ça je vous montre la suite du jeu. Voilà, ce sera peut-être coupé en 2-3 parties, je sais pas exactement. On verra. Mais là je suis lancé. Là ça me plaît, je m'amuse. C'est cool. Ouais, j'en suis là, comment j'étais perdu là. Bon, à mon avis, il faut aller sur la grosse bouboule. Ok. Surtout ne pas tomber, hein, parce que là. Oh ah. Désolé pour ce cri d'effroi, mais. J'ai vraiment cru que j'allais me faire écraser. Aïe 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 aïe. Heureusement qu'on peut facilement doser ses sauts. Putain, je m'en souviens plus de tout ça. Oh là. Vas-y, refais. Non, pas comme ça. Bon, laisse tomber. T'as rien compris. Voilà. C'est bientôt la fin parce que il me reste plus qu'un cœur et j'ai pas de checkpoint. À mon avis, faut pas aller là. C'est un piège. Non! Putain! Et je recommence tout. Putain! Bon, là, faut pas l'écouter, faut aller plus ici. Alors, on va suivre les carottes. Allez, on va suivre les carottes. Les carottes sont nos amis. Ah, il y avait un petit truc en bas là. Je suis curieux de voir ce que c'est. Attendez. Oh, c'est un cœur en plus carrément. Je savais pas qu'il y avait un cœur en plus ou alors je suis complètement oublié. Bon, c'est uniquement pour ce niveau, je parie, c'est pas définitive. Bon, ce serait bien si c'était définitive, mais je crains que malheureusement c'est que pour ce niveau. J'ai un quatrième cœur. Ou peut-être même que si je me fais toucher, là je l'ai perdu pour toujours. C'est possible. Ah ouais, alors là, bravo quoi. Ouais, bon, là, il faut aller sur la boule. Faut aller là, sur le machin. Allez, reviens. Waouh. Voilà. Alors là, on va doucement, on se concentre. Ce serait pas mal. Ah. Et là, j'ai de nouveau zéro bip bip. Je sais vraiment pas ce que ça signifie. Ouais, j'ai peur d'aller là parce que si c'est un piège. Non, merci. Hein. J'ai pas envie de rallonger, moi. Allez, fais le lancer de tomate. Ah. Oh putain. Oh là là.
Ah putain, j'ai même pas rebondi sur le Thomas, c'est abusé quand même. Ah non, je l'ai pas perdu définitivement le cœur. C'est cool ça. Ah, peut-être dans le prochain niveau, je l'aurai plus, hein. Là, je m'attends à tout. La chauve-souris. Allez, reviens à la plateforme. Ah oui, il faut aller sur la boule. Oh là là. Oh, mais c'est abusé, elle est un peu loin la boule. Bah oui, mais... Ah! Bon. Wow, c'était un piège. Putain, c'était un piège. T'es obligé d'aller en haut sur la boule. C'est abusé un peu, non? Allez, reviens la boule. Reviens. Ah mais elle est trop loin. Mais non, mais j'aime pas ça par contre. Les sauts millimétrés comme ça, moi j'aime pas, hein. Pire ce que tu te cognes en plus, hein. Attends, tu passes par où autrement? Non, moi tant pis, je fais le code pour aller au prochain niveau, hein. Ça me gonfle trop. Et du coup je perdrai tous mes bonus, mais bon. Ainsi que le score. Là, mais là... Quoi? Ah, ah, ah. On stresse pas, on stresse pas. Là où y'a rien. Là y'a rien. Ok, c'était là. Oh là là. Allez, la fin maintenant, faut que ça se termine. Y'a rien, y'a pas de plateforme, y'a rien qui m'a dit où je dois aller. Ah, si, c'est bon, ça va mieux. Ah, voilà, la fin. Ah, le boss. Ok. Ah oui, il se cache bien lui, tiens. Et par contre, sur nos amis possédés, on peut rien faire, hein. Ils ont un casque pointu et tout. Là, c'est clair qu'on peut pas leur sauter dessus. Ah! Putain, il m'a touché. Ah mais j'ai toujours mes 4 cœurs, c'est assez bien. Ah! Ah non, c'était 5 fois. Ah, très bien. J'avais touché 4 fois tout à l'heure. Là, c'est le coyote. Ah, on a libéré le coyote, mais malheureusement, il a fait plouf. Hey, calamité coyote, ça va? Ça va pas l'air, hein? Tu ne m'entends pas? Oh, laisse tomber. Ah bah, on le laisse tomber. Que voulez-vous? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je fais une petite coupure ici et je fais l'enregistrement ou j'enchaîne direct? Bon, allez, on va enchaîner. Allez, c'est parti pour la grotte. Le troisième monde. Ah, j'adore cette musique. Ah, je vais me taire un moment parce que j'ai envie d'apprécier la musique. Et vous laissez l'apprécier aussi. Après. Après, ça dépend si vous aimez. Wow! Pas n'importe quoi. Oh là là. Ça va, je gère bien. Allez, on se la fait à la Indiana Jones. Oh, y'a rien en bas. J'ai envie d'aller voir en bas. Oh, c'est quoi ce truc qui brille? Oh, putain. Allez. On se concentre. En haut. J'ai envie de faire le one jump en haut là. J'ai vu un truc. J'ai envie de faire un truc. Tu veux pas? D'ici peut-être, mais bon. Voilà. Je savais ça. Bon, laisse tomber.
tant pis. Ah oui, ça, c'est un réflexe à la con. Ah bah j'ai perdu mon quatrième cœur. Ah d'accord, c'était jusqu'à la prochaine mort, en fait. C'est en fait jusqu'à la prochaine mort qu'on garde nos cœurs bonus, nos cœurs supplémentaires. Malheureusement, c'est pas l'ultime définitive au jeu. Pas comme dans les Zelda. C'est dommage. Ah ouais! Bon, moi, j'ai ramassé des carottes. Voilà, c'est décidé. Parce que là, je vois que mes pieds commencent à descendre. Bon, tant pis pour la cloche qui est en haut. Putain, mais je fais nimp! Oh, d'accord, là, je suis pas concentré du tout. Alors là... Mais... Oh putain. J'ai voulu trop anticiper le saut, mais... Bon, ça va, il me touche pas. Ouais, il faut vraiment aller doucement, en fait. Ça sert à rien d'aller vite. Mais... Ah, il me touche quand même, bordel. Voilà. Ah, il faut que j'en ramasse des carottes parce que là, mes vies descendent, mais dangereusement. C'est quoi ce truc? Ah, d'accord. Bon. Les pics aussi, c'est un... On est invincible? Ah, ça dure longtemps l'invincibilité. Ah, très bien, le cœur. Ah. Attends, j'ai envie de voir s'il n'y a pas une vie cachée quelque part. Peut-être dans le mur là. Ah, tiens. Ah bah c'est cool ça. Et... Aïe. Ah, j'ai bien fait de regarder. Là, ça, ce genre de secret, ça fait penser un peu au... au deuxième monde dans Sonic 1 sur Mega Drive. On passe à travers les murs comme ça. C'est sympa. C'est moins sympa. Ah, il m'a fait une espèce de bise gluante là. Ah d'accord, ah, il est comme ça lui. Oh, le stalactite, carrément. Lui ça lui fait rien, évidemment. C'est pas juste. Je proteste. Là, ça aurait été con que je meurs à la fin. Voilà, nickel. Allez, qu'est-ce que ça va être? Sur le rocher à la Indiana Jones. Oh, heureusement, j'ai dit attention. En bas. On peut pas regarder en bas. Que se baisser, mais sans regarder. Ça, c'est un peu con par contre. Et... Même dans Sonic, tu pouvais voir l'écran, il se déplaçait vers le haut ou vers le bas quand tu regardais comme ça. Bon, tant pis. Pas monstrophile, attention hein. Je veux pas qu'on me fasse des bises comme ça à mon insu. Ah mince, je pensais qu'on pouvait glisser comme Mario. J'ai appuyé vers le bas mais...
Ah. Faut que j'arrête de jouer à Mario Maker 2 parce que ça va plus. Hein. Ça va plus, ça va plus. Putain, cette violence! J'aime les carottes. Par contre, j'aime pas le chauve-souris. Dans n'importe quel jeu, ils sont chiants, ces chauves-souris. Oh, voilà pourquoi, vous comprenez. Regardez-moi ça. Comment tu fais, là? Bon, c'est sûr. Attendre que la chauve-souris s'écarte. C'est ma dernière vie. Je pense qu'on s'arrêterait là, et si ça vous intéresse, je continuerai la suite. Et sinon, on s'arrêtera vraiment. Perso, j'ai envie de continuer à jouer, mais... Bref, faut que j'aille chercher le code sur Internet pour le taper et continuer la suite. Ou reprendre ici. Moi, j'hésite entre reprendre le niveau suivant ou ici. Putain, entre les deux. Mais... Ok, tout simplement. Donnez-moi un cœur, s'il vous plaît. Bon, c'est sûr, faut pas trop en demander, ils sont déjà généreux comme ça. Ils sont déjà assez généreux comme ça, donc... On se calme. Là. Oh, il y avait un cœur en haut. Ah d'accord, c'est zéro, ça compte à zéro. Toute dernière vie. Ah, une espèce de... Ah oui, en dessous de la carotte, maintenant c'est un autre animal qu'on a. Une espèce de souris. Peut-être la souris de... Tom et Jerry. Voilà, parce que c'est tous les personnages des... Vous voyez là, ce... le lapin que je contrôle, c'est un genre... un bébé Bugs Bunny. Tous les personnages sont des versions bébés, quoi, de... Des personnages toon connus. Comme Bibi le coyote. Le canard et tout ça quoi. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est pas Donald mais c'est un autre canard. Il est noir. Pardon. Ça fait tellement longtemps que je regarde plus ça. Non mais putain. Ah, on a le code ici. Ah, mais j'ai la flemme de prendre un crayon et tout ça. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Voilà. J'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour voir la suite. Ou sinon, je m'arrête là. Ce sera la seule vidéo. Voilà. Bon. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Portez-vous bien.